cette scolastique mondiale. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Mes frères, mes sœurs, nous connaissons la tension existentielle entre la loi et la vie spirituelle, entre le respect des prescriptions et le fait d'être bon chrétien qu'il y a en chacun de nous et parfois parmi nous. On peut bien respecter tous les interdits et se donner la conscience tranquille sans plus. On peut aussi négliger les préceptes et se prétendre libéral dans les cas où on est dans les extrémités. Dans les deux cas, on est dans les extrémités. Jésus nous dit aujourd'hui que ce qui éloigne de Dieu, ce n'est pas la désobéissance aux prescriptions qui touche des gestes extérieurs. C'est plutôt la rupture multiforme que l'homme entretient dans son cœur et qui peut se matérialiser en crimes, péchés, etc. Le mal se mijote dedans avant de se décliner en paroles, gestes et actes. Seigneur, donne-moi la force d'être attentif et de maîtriser mes ardeurs.